On a quatre rangées de bancs, plus une rangée près de la baie vitrée. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce match des Norrois affrontant les Harfans de Beauport. Un match qui nous intéresse particulièrement. Deux équipes qui se suivent au classement général. Les Norrois reviennent d'un séjour difficile au tournoi de Sainte-Foy. Après avoir eu beaucoup d'espoir lors des premiers matchs, le deuxième s'est soldé malheureusement en tir de barrage et les Norrois n'ont pas été en mesure de continuer. Et la déception était vive sur les visages de chacun des joueurs lors du troisième match contre une équipe, disons-le, supérieure à nous, l'équipe de Thetford, qu'on avait bien battu, bien challengé lors de notre premier match à Thetford, défaite de 4-2. Le premier entracte s'est soldé avec un match nul de 0-0, mais par la suite, ça a été un peu la débandade. On a accordé des mauvais buts. Les joueurs étaient un peu découragés et on sent que les joueurs des Norrois avaient laissé aller un peu leur gardien de but. Ça s'est soldé, je crois, par 5-0. Malheureusement, mettant fin à notre tournoi, mais permettant aux parents d'avoir une fin de semaine sans hockey pour une fois. Alors, une belle fin de semaine, pratique qui avait été rajoutée le dimanche, mais somme toute, une belle expérience. Pratique hier des joueurs des Norrois, selon les premiers commentaires recueillis par Simon Tremblay, petit défenseur numéro 41, l'équipe était fatiguée hier. Donc, on a hâte de voir comment les gens vont répondre avec, malheureusement, un match de 4 points. Le cliché est fort, mais il est vrai. 4 points pour une équipe qui nous devance au classement. Alors, on vous revient bientôt avec la mise en jeu officielle suivant les hymnes nationaux. Merci. On invite les joueurs à se présenter. Voyons voir qui l'entraîneur Bouchard mettra sur la glace. Dans les buts, le gardien Laurent Bouchard, très bien fait au cours des derniers matchs, dernière partie. Duo de défenseurs, Simon Tremblay, numéro 41, avec le capitaine, le numéro 39, Francis Proto. À l'avant, Xavier Plamondon. Et Thomas Tessier joue au centre. C'est reparti. La balle s'en va. Est-ce que ça va être refusé? Oui. Dégagement refusé. On va reprendre en territoire défensif. À la gauche, de Laurent. Et finalement, non. On va aller à la droite. Tout le monde s'installe. Les dernières indications. Alors, mise en jeu remportée. Lancé, bloqué par Victoria, c'est sorti. Et le offside est sifflé, on procède à des changements. Alors, nouveau trio aujourd'hui, Zachary Légaré avec Victor Dufresne et Édouard Morissette. Poursuite de rondelle, on tente le dégagement. Noah garde la ligne bleue, bien joué. Victoire reprend, on crash le net. Zachary tente, l'occasion aurait été belle. Et les Harfans en contre-attaque. On l'envoie dans le coin, tente de le contourner. Et on relance l'attaque, belle passe au centre. Bien joué en défensive. Et on renvoie les Harfans dans leur zone. L'entraîneur possède à des changements. Un joueur a perdu son protège-cou sur la glace. Bien intercepté. On tente de repousser dans le fond. Encore une fois, Xavier qui retourne
Les Harfans profondément dans leur territoire. Une deuxième fois. Justin tente une passe devant le filet. Il y a congestion. Un bon lancé. Où est la rondelle? Thomas Plot qui retourne à la pointe. Un lancé. C'est intercepté. Et les Harfans retournent. Bon jeu en défensive. Le défenseur numéro 41. Légère interférence. Et c'est repris par le défenseur Plamondon. Passe au centre. Bataille dans le coin. La rondelle est toujours non disponible. On bloque. Le jeune Tremblay qui tombe et c'est repris par les Norrois. On tente une passe par deux fois. Et le défenseur se lance à l'attaque. Passe à Xavier qui rentre à la droite. Tente une passe au centre et c'est intercepté par un joueur des Harfans. Le numéro 32 qui retente l'attaque. Bien rattrapé par Victoria. On tente un dégagement. Et la rondelle sortira. Regarde ses joueurs tranquillement. Rentre au centre. Le jeune Fauché qui quitte sa position de défenseur. On doit revenir rapidement. Beau jeu du numéro 14. Course vers la rondelle dans le coin. Et sagement, Laurent Bouchard immobilise la rondelle. On va reprendre à la droite. Ça semble égal des deux côtés. Les deux équipes sont venues pour jouer. À la pointe. Traverse à la droite. Un lancé haut. Bien bloqué avec le bloqueur. Édouard Morissette tente un dégagement. La balle revient. La rondelle revient devant le centre. C'est repris par un joueur des Harfans qui la perd suite à un bon échec avant. Déplace le jeu vers la droite. Oh! Et malheureusement, on s'enfarge. C'est repris par Zachary Légaré qui tente une passe au centre. Il y avait beaucoup de joueurs. Victor travaille fort. Encore une fois, le défenseur qui agressivement vient intervenir. Et on renvoie les Harfans dans le fond du territoire. Rover de l'autre côté. Le jeune Dufresne. Et Noah Bouchard fait une belle passe, une belle intervention. Est-ce que... Oh, la belle passe de Zachary! Un beau lancé! Belle chance de marquer. M. Plamondon, oh oui, bien joué. Un revirement à la Denis Savard. Passe dans le coin à Zachary Légaré et un plongeon du joueur des Harfans qui empêche le jeu. C'est repris par Légaré. Légaré tente un jeu. Malheureusement, manquait de force un petit peu, mais se reprend habilement. Et c'est le jeune défenseur Bouchard qui reprend. Malheureusement, hors jeu, il a été devancé par son coéquipier, M. Dufresne. On procède à l'échangement. Belle séquence du premier trio des Norrois. On aime bien la combinaison du coach Bouchard. Et on reprend à l'entrée du territoire. C'est gagné par les Norrois. Tremblay fend l'air. L'aide de son coéquipier lui permet Justin Julien qui intervient. Devant le filet, ça bagarre fort. C'est repris par le numéro 39 qui revient sur ses pas. Propulse la rondelle. Tremblay doit faire vite. Dégage vers la droite, aux oreilles. Et on pente une passe au centre. C'est intercepté par le joueur des Harfans qui jongle avec la rondelle. Beau jeu, bien de protection. S'en va vers le centre. Oh, il se fait accueillir par les deux défenseurs. Bon pinch de la part du jeune défenseur Tremblay. Oh, et on a failli s'échapper du côté des Norrois. Filiou qui décide de garder les mêmes défenseurs alors que les attaquants changent. On revient avec le troisième trio. C'est gagné. Tremblay passe à droite. Belle sortie de zone. Xavier qui reprend. Est-ce qu'on est en mesure de traverser l'autre côté? Non, malheureusement. Oh, il y a un lancé arabesque qui manque la cible. Joueur des Remparts qui... tente une passe au centre. C'est bien intercepté par le numéro 14 qui malheureusement perd la rondelle dans le coin. Oh, et c'est dangereux devant le but. Quel arrêt! Victoria qui contrôle la rondelle. Tente un dégagement. C'est intercepté. Bel échec avant.
Oui, bien joué. Et on est en train de sortir. Oh, et on cafouille encore une fois. Du jeu décousu de la part des deux équipes. Et on retourne les Norrois loin dans leur territoire. Le jeune Tremblay tente une passe. Victoria qui fait une belle feinte. Et on dégage. Ça ne sera pas refusé. Les Norrois profitent pour faire des changements. On envoie des forces fraîches. C'est le gros trio qui rentre. Oh, et c'est dangereux. J'ai trois joueurs, 3-2 devant le but. Beau jeu du numéro 81. Antoine Fauché. Zachary qui aperçoit son coéquipier. Et le grand Victor qui tricote, belle passe à droite. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de compléter la manœuvre. Et c'est la contre-attaque des Harfans. On tente vers le centre, on déborde. Le jeune défenseur tombe. Oh! Et c'était dangereux devant le filet. Et Victor en pleine vitesse. Interférence légère de la part du capitaine des Harfans qui rentre en zone, lève la tête, prend son temps, passe à droite, le lancer et c'est bloqué. Il y aura une mise en jeu à sa gauche. J'aime l'intensité des deux équipes. 7-39. À faire en première période, toujours 0-0. C'est bien repris par Xavier qui fait une manœuvre brusque, évite un joueur 2 sur lui, on va l'aider. Belle protection de rondelle et on retourne à la pointe. Un lancé faible, intercepté par Justin Julien qui relance. Et là, il y a un échappé. Ah, oh, beau jeu du défenseur qui revient. La rondelle était légèrement en arrière du numéro 79, Marc-Antoine Nadeau, numéro 16, et Thomas Plot, numéro 24 également. C'est remporté par les Norrois. On renvoie rapidement. Thomas Plot devant le centre. Oh oui! Et malheureusement, on a cafouillé avec la rondelle. On retourne, deuxième choix. Ah, oh, c'était dangereux. Défenseur qui intervient, repousse la rondelle dans le fond. Thomas Plot, encore une fois, devant le filet, on tente de renvoyer la rondelle où on a des joueurs qui, malheureusement, sont absents. Encore une fois. Et le défenseur qui bloque. Oui, bien joué par le numéro 41. Et ça permet à son coup de pied numéro 40. Est-ce qu'on a appelé? On appelle une interférence sur le jeu. Très, très, très douteux comme jugement. On a de la misère à comprendre ce call-là. L'arbitre, interférence, c'est douteux. Il y aura avantage numérique, beau port. C'est remporté par les Harfans. Personne force, on lance et c'est dévié. Beau jeu. Et on doit tenter de dégager. La pression est forte. Dégagement est réussi. Reprend la ligne bleue de l'autre côté et on relance l'attaque. Passe dans le centre. Bien joué par le numéro 14. Oh! Et c'était proche. Intervention des défenseurs. Oh! Et on a oublié de partir avec la rondelle. Rapidement. Oh! Et on vient de faire l'air. Attention! Et quel arrêt! Quel arrêt du gardien! Et on sort la mitaine! Il y a eu cafouillage en zone défensive. On a tenté par deux reprises de sortir la rondelle. Parfois, on veut partir avant d'avoir la rondelle. C'est encore remporté par les Harfans. Passe transversale. Un lancé faible. Oh, et ça a failli se rendre jusqu'au filet. Encore une fois, le gardien qui a été alerte sur le jeu. Et beau jeu de la part de Zachary Légaré qui permet à la rondelle de sortir de son territoire. Les Harfans doivent se reprendre. Oh, et on fend l'air là-dessus. Entrée de zone du numéro 33 qui doit mesurer à peu près 4 pieds de plus que toutes les autres. Noah qui dégage. Xavier tente. Et Zachary qui repousse pour lui-même.
Beau jeu du jeune défenseur. On l'a fait trébucher. On attendait une pénalité qui n'est pas venue. Contrôle la rondelle. Belle passe. Un lancer beaucoup trop haut. Arrêté avec le bloqueur. Le jeune Plamondon, dégagement. On en profite pour apporter des forces fraîches. Très beau travail des Norrois en désavantage numérique. Belle entrée de zone là-dessus. Le lancer à côté. Le gardien qui repousse. Et Antoine qui passe à l'aile. Victor, oh, malheureusement, défenseur qui est venu rentrer. Bonne intervention. Encore une fois. Finalité terminée. On sent les Harfans plus agressifs et dans leur territoire. 4 contre 4. Zachary qui sort avec la rondelle. Passe à Édouard Morissette qui se met en marche. Regarde et fait une belle passe au centre pour Victor Dufresne qui malheureusement oublie la rondelle. On a marché sur la rondelle. Jamais une bonne idée. Et il y a de la glace devant lui. Décide d'avancer. Belle insertion en territoire offensif. Le jeune Morissette qui lance. Tente le rebond. Et c'est repris par les Harfans. Malheureusement, bloqué. Et on doit faire vite, on doit faire vite. Et oui, les deux joueurs des Harfans. Et encore une fois, quel arrêt de Laurent qui est en feu, ma foi. Il est venu pour jouer aujourd'hui. Encore un arrêt. Ah, et malheureusement, on n'est pas en mesure de libérer le devant du filet. Un dégagement qui s'est mal fait. Rondelle au filet lorsqu'il y a beaucoup de trafic. Prend toujours le travail d'un gardien difficile. Dommage parce qu'il y avait eu des très beaux arrêts précédemment. On avait sauvé un but certain. Voyons voir comment les Norrois vont se reprendre et comment vont-ils réagir. Par le passé, les premiers buts ont fait mal, mais dernièrement, l'attitude des Norrois a changé drastiquement. Et l'effort redouble lorsqu'on se retrouve. Encore une fois, on tire à gauche alors que le défenseur à droite était complètement seul. Ah, bel échange, mais ça a été dangereux. Et on whiff complètement. Le jeune Plamondon qui tente de sortir la rondelle. Le jeune Tremblay va l'aider. Pousse aux ailes. Thomas Plot qui reprend. Tente un dégagement. La rondelle va sortir. Et on peut prendre son temps. Belle passe au centre. Et la rondelle rentre. On en profite pour apporter des changements. Oh, bel effort individuel! Oh! Et la rondelle n'a pas voulu rentrer. Et malheureusement, on prend une pénalité sur le jeu. Décidément, séquence malheureuse pour la part des Norrois. On manque un filet pratiquement ouvert. La rondelle n'a pas roulé pour nous, comme on dit. Et malheureusement, on écope d'une pénalité en tentant d'accrocher la rondelle. Ça va être un deuxième avantage numérique pour les Harfans. Les Norrois qui ont très bien fait durant le premier désavantage numérique. On va voir comment on va se comporter lors de ce deuxième. 2 minutes 31, 1-0 pour les Harfans. C'est dangereux devant le but. On tente de dégager vers le centre plutôt que sur le côté. On doit dégager les rondelles. Malheureusement, on tente le jeu parfait. Et parfois, c'est long avant de sortir la rondelle. Et 4 joueurs tentent. Oh, bien repris. Belle patience du numéro 33 qui change le jeu de côté à la ligne bleue. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Norrois. Coach Filou appelle un changement de défenseur. C'est le jeune Antoine Fauché, de même que Xavier Hamelin qui reprend derrière son filet. Une passe à droite à Victoria qui en profite pour dégager. Mais c'est intercepté à la ligne rouge. Un lancé. On accorde le retour. On tente encore une fois un dégagement. Thomas Tessier, malheureusement, la rondelle ne s'est pas
rendu à destination. Encore une fois, où est le joueur d'avant? Dévié au-dessus des épaules, mais l'arbitre n'a rien vu. On semble hésitant du côté des Norrois. Et encore une fois, un tir dévié qui a tout juste effleuré la rondelle. Belle protection de rondelle, belle passe. Belle lancée. On semble manquer d'énergie de la part des Norrois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui patine. Et encore une fois, un lancé. Et on limite les dégâts. Alors les Norrois en doivent une à leur gardien. C'est celui qui les garde dans le match pour l'instant. J'aimerais voir davantage d'intensité de la part des jeunes de Cap-Rouge, Saint-Augustin, Campus DPR. On remporte la mise en jeu. On repousse à l'arrière du filet. On tente un dégagement encore une fois. C'est mou. Tremblay le garde devant lui. Bien joué. Va-t-il récupérer la rondelle? On gagne les précieuses secondes. Bonne bagarre. Malheureusement, il réussit à le contourner. On tente devant le centre. Un lancé. Oh, il s'est bien pris. Le retour qui est dégagé. Encore une fois, c'est mou. On aimerait voir un petit peu plus d'intensité de la part des Norrois. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on le raconte, qu'on le dit. Et c'est la relance. Oh, et malheureusement, hors-jeu, Yann Pé chez les Harfans. Et l'occasion est belle pour les Norrois de se reprendre. Ce sera malheureusement au début de la deuxième. Il reste juste 7,8 secondes. On envoie le gros trio dans la mêlée. 7,8 secondes. Certains diraient que l'occasion serait intéressante de sortir le gardien. Mais le match est jeune, seulement 1-0. Stratégie un peu folle. On a le temps pour un lancer. On tente un dégagement. Et la première période prendra fin sur un score de 1-0. Somme toute, un bon match jusqu'ici. J'aimerais avoir un effort plus soutenu de la part des Norrois. On dirait que les Harfans veulent le match. Oh, quel lancer de Victor Dufresne! Et c'est bloqué. Mise en jeu. Remporté. Et rapidement, Tremblay qui repousse. Pas assez fort. Et on repasse. Malheureusement, encore une fois, des passes qui manquent de force. Bien relancé. On tente vers le centre. On passe dans le beurre. Et c'est les Harfans qui semblent avoir le momentum en ce début de période. Le jeune Tremblay qui reprend. Tombe. Pas assez fort encore une fois. Cafouillage par-dessus cafouillage. On a de la misère à s'organiser. Dans des temps comme ça, l'important, c'est de redoubler d'ardeur. L'effort a toujours été récompensé. Dans n'importe quoi. Une belle entrée de zone. Et Thomas! Quel arrêt! Quel arrêt! Et beau lancer, belle pièce de jeu à deux. C'est repris par le jeune Antoine Fauché qui se met en marche. On tente une passe à la veglette au centre. Le jeune Xavier Plamondon qui manque la rondelle. Et c'est les... Oh, on réclame du côté des... La pénalité est maintenant terminée. Beau jeu de Victoria qui repousse. Mais on manque d'échec avant. On joue en périphérie. Oh,
Bataille à un contre un dans le coin. Support de son coéquipier. Victoria qui reprend. Tente le jeu vers le centre de la glace. Et les Harfans reprennent la rondelle. On tente la sortie de zone. C'est annulé à la ligne bleue. Le jeune Fauché retourne les Harfans dans leur zone. On en profite pour apporter des changements. Et les Harfans relancent l'attaque. Bel échec avant de la part de Zachary. On s'échange la rondelle. Passe molle encore une fois. On aurait aimé plus d'action, mais belle entrée de zone. Et on est trois au net. Le lancer du jeune Zachary Légaré. Et c'est remporté. On renvoie à la ligne bleue. On pousse dans le fond. En arrière du filet. On tente le jeu vers le centre. Ah, c'était bien tenté de la part de Victor Dufresne. Beau jeu sur le long de la bande. On doit continuer. Et encore une fois, Victor Dufresne qui intercepte. Le jeune Zachary Légaré en repli. Bien joué par Xavier. Édouard qui se fait contourner. Belle passe devant le centre. On a de la misère à voir pourquoi les joueurs des Harfans, on dirait qu'ils sont seuls sur la patinoire. Oh, et on avait une chance. Malheureusement, c'est manqué. Oh, Victor s'en rend seul. On sait qu'il a un tir foudroyant. Et le but! Quel effort individuel de la part de Victor Dufresne qui crée l'égalité à 10-58 dans la deuxième période. On l'a dit tantôt, l'effort est souvent récompensé. Un bon effort individuel. On voit qu'il a développé son talent de marqueur. Belle patience et ça a filé entre les jambières du gardien des Harfans. Alors, on a un nouveau match. C'est 1-1. Belle intervention de Noah Bouchard qui, malheureusement, perd la rondelle. Thomas Plot qui... Et encore une fois, on voit que les jeunes Norrois ont repris goût à l'effort et au patin. On pousse vers le coin. Thomas Plot qui, rapidement, le jeune Justin Julien qui aurait des problèmes avec ses patins. On a entendu que les patins étaient en mauvais état. En besoin d'aiguisage, intercepte, repousse dans le coin. Le défenseur qui garde la bleue permet un jeu. Le lancer de Plot, légèrement à la droite du gardien. Oh, et Beaujean en défensive. Et le jeune Tremblay qui a une chance. Complètement à droite. Encore une fois, devant le filet. Ah oui, beau jeu de Noah qui permet un dégagement. La rondelle est dans les patins. Oh, belle bataille de la part du numéro 41. On réclame une pénalité qui ne viendra pas. Ça bataille fort le long des bandes. Oh! Merci! Alors, ça, un double échec dans le dos. Un jeu salaud de la part du numéro 32. Au micro, c'est enregistré. Il enregistre. L'occasion est bonne pour les Norrois de prendre les devants dans ce match. je me crois, sérieux. Non, je veux pas. J'ai full de fun. Non. Oh, l'occasion est belle. Un dégagement qui est tenté. Oh, belle intervention du jeune défenseur. Qui tente un tir, c'est dégagé. Et Victoria tente. Et le dégagement est complété jusqu'à l'autre bout. Le jeune Antoine Fauché pivote sur lui-même. Passe à son coéquipier.
Et on veut relancer. Les passes en arrière comme ça, ça rend toujours le jeu un petit peu plus difficile. Ah, oh, et on avait une belle occasion. Numéro 15. Et il y a de la glace, il y a de la glace, il y a de la glace. Patine, patine, patine. Belle passe au centre. Et l'occasion est belle. 1-2 contre 1. 1-2 contre 1. Victoria qui tente un jeu. Oh! C'est essayé tout près. Oh! Et Colin qui a de la misère avec ses patins un peu. Edou qui revient. C'est le temps de descendre devant le filet. On tente. On repousse. Oh! Et ça a été tout près d'être dangereux. Il y a de la glace, il y a de la glace, il y a de la glace. Patine, patine, t'as de la glace, t'as de la glace. Belle passe à sa droite pour Édouard Morissette. Et on a des joueurs devant le filet. Devant le filet, oh! Et Zachary Légaré! Oh, malheureusement, le tir du revers qui a été intercepté par le défenseur. 6 secondes à la pénalité. On devra faire vite, on devra faire vite. Oh, il est débordé! Quelle passe! Et le lancer qui rate! Il avait un filet ouvert. Oh, ça aurait fait mal au Norrois. Et Victor qui tente de s'échapper. Il y a un joueur avec lui. Édouard Morissette qui passe devant le filet. Oh, et l'arrêt encore une fois. 2 belles chances de marquer. Belle intervention du défenseur numéro 23. Passe devant le centre encore une fois et on fend l'air sur la passe. 2. Oh! Et non! Oh, et en tombant, on tente un jeu défensif miraculeux. La rondelle est dégagée dans le coin. Et le jeune Fauché qui sort avec la rondelle. Belle passe à Dufresne qui s'approche. La deux joueurs perdent la rondelle. Oh! Et la persévérance porte fruit. Mais on dégage la rondelle. Bel effort de la part du numéro 16 qui a bien protégé la rondelle. Et c'est Thomas Plot qui s'avance à toute vitesse. Oh! Très beau jeu du défenseur. Un petit pinch, on tombe. On retourne la rondelle dans le fond. Fend l'air. Oh! Du jeu décousu de part et d'autre. On tente de ressaisir. Encore une fois, l'échec avant des Norrois qui fait la différence et empêche. Ou empêchait. Bon lancé. Encore une fois, le bloqueur de Laurent qui fait la job, comme on dit en bon français. Encore une fois, l'échec avant. Justin Julien qui tente l'entrée de zone. Ça va dans le coin. Thomas Plot qui repousse en arrière. C'est repris par un joueur des Harfans. Mais belle intervention. Lui fait perdre la rondelle. Et encore une deuxième fois, l'échec avant est très intense. Permet de conserver la rondelle dans le fond. La rondelle sort du territoire. On doit se reprendre. Jeu dangereux. Oh! Et il y a un poussé là-dessus. On aurait réclamé une pénalité. Légère interférence, selon moi. Et c'est reparti. Malgré la longue présence. Effectivement, on va faire des changements en même temps. Même chose du côté des défenseurs. Thomas Plot est seul de son équipe. Mais il y a une belle ouverture dans le centre. Ah! Et c'est chanceusement intercepté par le défenseur numéro 20. Bien repris par Xavier Plamondon. On fait attention. Belle protection de rondelle. Oh! Et on attire une pénalité. Et c'est le temps de rentrer. C'est le temps de rentrer. Xavier qui suit. Simon Tremblay qui tente de se porter à l'attaque. Mais malheureusement, hors jeu. Et la pénalité est appelée. Une autre occasion de d'avantage numérique pour les Norrois de briser l'égalité à 4:41 dans la deuxième période. Oui, effectivement. Effectivement. Mais c'est peut-être pour les deux autres qui n'étaient pas calés tantôt. C'est lui qui enregistre. Moi, je fais juste parler, inquiète-toi pas. Tremblay qui repasse à droite. Oh, la passe était vive. N'a pas été contrôlé par le numéro 77. Ah, oh, belle feinte! Malheureusement, il a été accroché. Et c'est les Harfans qui reviennent. Beau repli de la part de Victor Dufresne. Et c'est Noah qui reprend. Pousse vers la droite.
Et c'est parti! À deux, à trois. Le défenseur numéro 23 qui appuie l'attaque. Victor pousse devant. Ah, il avait un joueur! Encore une fois, le lancer! Quel arrêt! Le retour! On se retrouve en arrière du filet. Ça a été touché plus haut qu'à hauteur des épaules. Et le dégagement qui s'ensuit. Tremblay qui prend son aise avec la vitesse. Pousse vers la bande. Et c'est repris par Thomas Plot qui contrôle et avance. Entre en zone adverse à la droite. Perd le contrôle, mais ça s'est rendu presque au filet. Encore une fois, un très beau travail du numéro 79. Marc-Antoine Nadon, et c'est le but! Alors, ça a commencé dans le coin. Travail du numéro 79 qui conserve la rondelle. Marc-Antoine Nadeau. Et les Harfans qui prennent les devants pour la première fois dans le match et on capitalise sur l'avantage numérique. Trois minutes 22 à faire en deuxième période. Un genre de but qui peut faire mal au moral des troupes adverses. Qui joue à domicile, rappelons-le. Antoine Fauché qui repousse vers la droite. Passe à son coéquipier. Un échec avant soutenu des Harfans de Beauport qui empêche la rondelle de sortir. Ça se bagarre et on siffle. Pisé. On va reprendre à la gauche du gardien des Norrois. Les Harfans qui en profitent pour faire des changements. C'est bon! Mise en jeu importante et c'est remporté par Justin Julien. Mais malheureusement, beau jeu du joueur des Harfans. Mais on relance l'attaque. Et Plot qui joue un gros match. Suivi par Nadeau. On appelle des changements. Et on frappe le poteau. Quel effort individuel. Une fusée sur deux patins. Et c'est le même joueur qui revient avec un échec avant. Soutire la rondelle à Victoria Gignac. Se regroupe derrière. L'échec avant qui a fait la force des Norrois. Oh! On a bien tenté d'intercepter la rondelle, Xavier Plamondon. Et c'est la contre-attaque devant Tremblay. Tremblay qui se fait déborder encore. On garde son joueur. Et la rondelle sort. Victoria fait une belle passe. Et le joueur va simplement changer en laissant aller le joueur de l'autre équipe complètement seul. Beau jeu de Victor Dufresne qui sort la rondelle. Accompagné de Thomas Tessier. Oh, et c'est dangereux. Ah, oh, beau jeu d'Edouard Morissette. Qui passe ensuite à Victor Dufresne. De retour à Morissette, on tente une passe devant le but. Et c'est un 2 contre 1. Mais on a la difficulté. Ah, oh, beau jeu d'Antoine Fauché. Et qui se lance à l'attaque avec Zachary Légaré. 2 contre 2. On tente de contourner le défenseur format géant. Victor qui, encore une fois, nous fait voir ses mains, lance. Et c'est un bel arrêt, encore une seconde à faire en deuxième période. 2 à 1, les Norrois. But compté en avantage numérique. Alors, belle séquence pour les Norrois. Le premier trio qui fait le travail. Belle intervention du jeune Fauché en défensive et qui a su relancer l'attaque promptement. Ça va tailler dans le coin. Justin tente une face. Oh! C'est intercepté. Plot était présent. Encore une fois, le jeune Antoine. Beau jeu encore une fois. Et on relance. Encore une fois, Thomas Plot qui joue un fort match. Oh!
Il s'est fait une passe pour lui-même. La rondelle est toujours en jeu. Devant le filet, c'était dangereux. Et un bon jeu, encore une fois, en défensive pour empêcher le joueur des Harfans de... Oh, et on est chanceux du côté des Norrois. Un hors-jeu. Ça s'en venait à 3 contre 1. Bouchard qui n'accepte pas qu'on lance après le sifflet. On appelle ça de l'esprit d'équipe. Mise en jeu importante. 8 secondes à faire. C'est remporté par les Harfans qui tentent de relancer. Et la période prendra fin. On retiendra 2 buts de la part des Norrois qui ont maintenant les devants. La suite en 3e période. Alors la 3e période est à débuter. Mise en jeu remportée par les Harfans qui vont vouloir égaliser rapidement. On sent que les Norrois vont vouloir refermer le jeu. Oh, et un jeu, une rondelle qui avait des yeux. Ça aurait pu être dangereux. Victoria qui manque sa sortie de zone. Le jeune Plamondon qui tente d'intervenir. Oh, dangereux! Quel arrêt! Oh! Et malheureusement, superbe passe. Superbe passe. On croyait que le jeune Laurent l'avait arrêté, malheureusement. Très beau déplacement latéral, mais la non-sortie de zone fait mal. Deux-deux. Il n'y en aura pas de facile, comme disait Piton Ruel. Et on remporte la mise en jeu. Tout de suite, on relance l'attaque. Zachary qui tente un jeu, mais perd la rondelle. Il y avait 3 joueurs autour de lui. On tente une passe au centre. Et c'est le jeune Tremblay qui, un contre un, envoie le joueur dans le fond. Oh, et la passe a quand même été faite. Tremblay qui passe à Victor Dufresne. C'est intercepté. Oh! Et belle intervention d'Edouard Morissette. Ça aurait pu être dangereux. Une passe dans l'enclave. Tente de dégagement encore une fois. Ça ne fonctionne pas. Et Victor qui tente. Oh, bon jeu individuel! Et le but! Merveilleux! Quel jeu! Wow! Alors, belle entrée de zone. On a déjoué 1 et 2 défenseurs et on a couché le gardien. Belle patience du numéro 82 qui enfile son 2e du match. C'est maintenant 3-2. 2 buts en moins de 2 minutes pour commencer la 3e période. Très excitant comme match. C'est remporté par les Norrois. Dans le coin, on tente une passe. Malheureusement, la rondelle était sautillante. Belle intervention, encore une fois, du numéro 81. On s'enfarge dans le mur. Oh, et là, quel arrêt! Quel arrêt à bout portant! Occasion en or que le joueur des Harfans aimerait avoir. On veut relever l'intensité d'un cran. C'est remporté par Justin Julien. Le jeune Antoine Fauché. Je dis jeune, mais ils ont à peu près tout la même âge, entre toi et moi. Bien joué sur le long de la bande. On tente. Et oui, la rondelle est sortie. Et Thomas Plot tente un jeu. C'est repris par le défenseur. Belle patience. Oh, et ça aurait pu être dangereux. Fonce, fonce, fonce. Et on dégage.
Thomas Plot qui arrive dangereusement. Oh! Et un mauvais changement de la part des Norrois. Et le but. Ouf! On est surpris par le changement. Et un lancer parfait dans la lucarne. Ne donne aucune chance au jeune Bouchard qui fait très bien jusqu'ici. Et c'est 3-3. On s'échange les buts ici à l'aréna Marcel Bouchard. Je sais même pas si c'est Marcel Bouchard. Non, c'est Claude Bédard. Claude ou Jean? Jeu mou encore une fois. On attire le défenseur. Bien intercepté devant le but. Victoria qui patine. Passe dans le centre pour Xavier qui manque la rondelle. Encore une fois. Oh, et mauvaise communication de la part des défenseurs. Victoria qui tente une incursion en zone adverse. Patine, on attend le défenseur qui n'était pas là. Encore, contrôle, belle protection de rondelle. Passe à son coéquipier. Oh, et malheureusement, on manque. Oh, encore une fois, Victor qui tente une passe au numéro 77, Zachary Légaré. C'est repris par... Ah, beau repli défensif de la part du numéro 91. Édouard Morissette. Zachary qui chute, qui reprend la rondelle, lève les yeux. Tente une passe vers on ne sait trop qui. Malheureusement, hors-jeu. Mon père me disait... Quand la rondelle roule pas, bouge tes patins. Si tu bouges tes patins, les bonnes choses vont arriver. Faut patiner, patiner, patiner. Ah, oh, belle incursion! Lancé de Thomas Plot qui est arrêté. Lâche-les pas, Sim, lâche-les pas. Bien joué de la part du numéro 41. Francis qui... Ah, oh, et belle passe dans le centre par Justin Julien. Et ça lance Thomas Plot. Ah, oh, beau. Beau petit poke check. Un genre de poke check qu'on aime. C'est dangereux. On tente un lancer. Deux pieds au-dessus de la cage. Le joueur tombe. Le temps de la relance est là. Et c'est parti pour les Norrois. On patine, on patine, on patine. Belle passe. Et on repousse les Harfans. Plus fort que ça, les boys. Ayez pas peur. Les rondelles, là, vos joueurs, ils vont les prendre, les rondelles. Belle passe. Fait un 2 contre 1, ça. Il l'a pas vu. Une chance. Devant le but, belle intervention de Noah. Et c'est parti. Passe dans le centre. Victoria, le lancer. Oh! 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 Bel arrêt. Et on doit revenir, on doit revenir, on doit revenir, on doit revenir. On revient, on revient, on revient. Tantôt, tu l'as calé, celle-là. C'était mieux de pas caler celle-là. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bouge les patins, bouge les patins, bouge les patins. Et le coin, encore une fois, qui est la spécialité de Victoria... qui l'a gardé encore longtemps, semble à bout de souffle. S'en va au bas pour un changement. Oh! Cafouillage!
Et c'est l'échappée du numéro 32. Le lancer, quel arrêt encore une fois! Oh, monsieur! Quel arrêt de Laurent Bouchard sur ce de son équipe dans le match. Est-ce que ses coéquipiers vont être en mesure de le récompenser en allant compter un but de l'autre côté? On aimerait voir le même engagement de la part de tous. C'est remporté par Xavier. Tremblay tente le jeu. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et on patine, et on patine, et on patine, et on patine. Tire sur réception. Que c'était beau. Jeune Fauché. Oh! Tout juste. Tout juste. Bel échec avant. On limite les passes. C'est un revirement. Et on doit faire vite. On doit faire vite. Le numéro 24 qui joue physique. Oh! On aurait demandé une punition. L'arbitre qui décide de fermer les yeux. 12 minutes 30 à faire. Toujours 3-3. Passe interceptée par le numéro 18. Capitaine Desharfans qui reprend. Belle feinte. Remet à son joueur. L'entrée de zone est bonne. On ne sait plus où est-ce qu'elle est la rondelle. Et c'est Zachary qui reprend. Cross ice à Édouard Morissette. On a trois, on est trois, on est trois. On lance sur le défenseur. Belle intervention de la part de Victor Dufresne. Envoyez donc, Zach. Envoyez donc, Zach. Belle passe. Le lancer. Oh! Oh, belle main. Ah oui, quelle intervention! Et Justin qui tente de s'enfuir. Oh! Et on relance. Envoyez-donc, envoyez-donc, envoyez-donc. Deux joueurs. Envoyez-donc, Justin, envoyez-donc, Justin. Tente une passe devant le but, malheureusement. J'ai dû dire à peu près 18 fois, malheureusement, en 30 secondes. Oh! Oh, oh! Une chance qu'on ait une intervention du numéro 14. C'était mou un peu. Et on repousse les remparts de leur côté. Oui, 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 oui! Bien joué, belle patience, j'aime ça. Come on, boys! Plus fort dans le fond. T'avais dépassé ta ligne rouge. Pousse, 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 pousse! Vous êtes tous du même bord! Man, que c'est poche, ça.
On est donc, Zach. On est donc, Zach. Ah ouais, donc, on va être dans numéro 3. Boum! Ça a passé proche. On revient en défense, on revient! Bien joué. C'est un beau chiffre, ça. Let's go, les Norrois, lâche pas. On va chercher le dernier petit gaz qui nous reste. Belle présence d'esprit de la part de Noah Beaulieu. Lève les yeux. Belle passe, belle entrée de zone. Bravo, les gars. Ah, oh, belle petite feinte. Ah ouais, donc. Il est là, ton joueur. Let's go devant le but. Ah ouais, devant le but. Faut que t'ailles devant le but. Oh! Bien joué. Belle pièce de jeu, les gars. On lâche pas encore. On l'a, la rondelle. Ah ouais, donc, Zach. Ah ouais, donc. Oh! C'était bien essayé. Let's go. On descend les defs. Oui, ah ouais, donc. Ah ouais, donc, Noah. Ah ouais, donc. Oh mon Dieu, on a manqué ça! Lève-toi debout! Ah oui, belle petite feinte, on va être dedans! Ah, let's go! Back! Bon jeu! Let's go, les Marois! Ils sont en feu! Ah! Je peux pas croire qu'on manque ça! Oh mon Dieu, quel match! C'est 3-3, il reste 6-42. C'est tout qu'un match. Écoute, on a manqué. Là, je pensais qu'elle allait rentrer dedans. Elle a frôlé la ligne bleue une couple de fois. Ça force. On continue. Je te reparle tantôt. Bye. Quoi? Parfait. À tantôt. À 10h, Isaac. C'est bon. Bye. Excusez de l'interruption, mon boss s'appelait. C'était ma blonde. On va essayer de l'autre bord. That's it. Là, tu vois. Patine! Ça patine pas! Let's go, patine! Ah oui! Belle feinte! Ah! Hey, c'est beau, les gars! On va finir par l'avoir. Comment on continue? Oui, belle passe. Oh! T'aurais pu. Let's go, mon Simon. Let's go, les Norrois. On lâche pas. Comme c'est souvent le cas au hockey, lorsqu'on manque des opportunités à un bout de la patinoire, ça revient de l'autre côté, puis nous en mettent un aidant. Il reste 5 minutes 11 en troisième période. On est revenu à toutes les fois. Je suis confiant qu'on va être capable de revenir dans ce match-là. Ah ouais, let's go, Tremblay. Lève les yeux, là, come on!
Où est-ce que t'étais? Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Ça, c'était une punition, ça. Let's go, let's go, let's go, let's go! Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Depuis le début, c'est ça qui fonctionne, c'est le forecheck, let's go! Encore, encore, encore! Deux minutes à faire en troisième période. On perd par un. Ça me fait chier. J'ai plus le goût de commenter. Come on, let's go. Hey, come on. On lâche pas, les gars. On lâche pas, on lâche pas. Vas-y, l'autre bord. C'est ça. That's it. Vas-y, 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 vas-y. Reste, 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 reste. Garde ta bleue, garde ta bleue. L'autre bord, l'autre bord. L'occasion en or. Then it's on me. I got you. Know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So
So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. The Yokes wanna kick it, Jackie Chan.